Eh bien, bonjour tout le monde ici, Tronc, vidéo spéciale Black Friday. Donc dans cette vidéo, je vais vous montrer ce que j'ai acheté, mais en même temps vous faire un petit cours d'histoire parce que j'aimerais parler, voilà, des pigeons comme vous voyez sur le titre, hein, message pour les pigeons. Donc je suis allé à Micromania voir ce qu'il y avait de Black sur voilà d'intéressant pour le Black Friday. Voilà, j'ai vu qu'il y avait pas mal de jeux et là. J'ai vu ce jeu qui était bah voilà dans les salles du Black Friday. Donc comme vous voyez sur le gameplay, c'est ce jeu-là. Donc voilà, Star Wars Outlaw qui, bah, qui est en solde. Donc si je me trompe pas, je crois jusqu'au 1er décembre, je crois. Et donc, bon, je vais vous montrer déjà la photo, voilà, le jeu que j'ai acheté. Donc moi j'ai pris la version Gold en solde. Bon, voilà, sur Series X. C'est. Vu que c'est la console qui me reste. Mais comme j'ai dit, voilà. Il est en solde. Mais quand j'ai vu le prix, j'ai rigolé. Regardez donc le prix du jeu. Donc sur le site de Micromania. L'édition Gold est à 80 euros. Le même prix que l'édition standard à sa sortie. LOL. Donc pour là. Là, pour le prix, vous avez le jeu complet. Parce que l'Ultimate, il y a quoi? Juste des cosmétiques. Donc, franchement, rien de plus. C'est pas intéressant. Donc, ça vaut pas le coup. Bon, j'avoue, 80 euros, ça reste cher. Mais voilà, j'ai voulu me faire un plaisir. Et un jour, j'avais dit que, voilà, quand il y aurait des soldes, ou quand il bresserait, que j'allais l'acheter. Donc, voilà, que je voulais acheter la version God. Et voilà, c'est fait. Parce que moi, je me rappelle, le jeu, quand il était sorti en excès. Anticipé donc 3 jours avant sa sortie officielle, j'y étais à Micromania et j'ai vu la queue de tous les gens qui l'ont fait pour venir chercher leur Star Wars Outlaw. Mais j'ai rigolé. Il y en avait pas mal. Des pigeons, voilà, ce sont des pigeons. Alors regardez, 3 mois après sa sortie, il est en solde. Fallait juste être, voilà, fallait juste être patient. Parce que ça j'en ai parlé sur un short que voilà que j'allais acheter ce jeu. Oui, je vais entendre des commentaires. Oui, les gens font ce qu'ils veulent avec leur argent, tout ça. C'est vrai, mais comme j'ai dit, en faisant ça, vous vous soumettez aux grosses sociétés à continuer. Heureusement qu'il y a des gens qui l'ont boycotté, parce que voilà, malgré le nombre de pigeons qu'ils ont acheté, d'autres se sont pas soumis et résultat, Ubisoft a vu leur chiffre d'affaires qui a chuté de près de 20%. D'où le fait qu'ils essayent de se rattraper le coup avec Assassin's Creed Shadow et qu'il y a maintenant pas mal de soucis, hein, comme vous voyez sur les petites actus sur Ubisoft, parce que c'est vrai que j'en ai jamais parlé, mais voilà, c'est devenu une catastrophe et franchement, je comprends pourquoi Ubisoft on en est arrivé là. Entre voilà, des jeux qui nous sortent très chers. Que résultats sont des jeux pas finis, qu'il y a beaucoup de bugs. Et rappelez-vous pour ceux qui ont acheté l'accès anticipé, hein, que voilà, que quand ils ont fait la mise à jour pour la sortie officielle, les gens ont dû recommencer le jeu à zéro. Donc les gens qui l'ont acheté avant ont tout perdu. Donc voilà, payer au prix fort pour résultat en arriver là. Et aussi, il y a eu la politique du Wookiees, parce que comme j'ai dit, ça n'a rien à faire dans le jeu vidéo. Après, on peut me dire, oui, j'avoue, j'ai donné de l'argent aussi à Ubisoft en l'achetant. Vous voyez, c'est un jeu neuf. Mais comparé à d'autres, moi, j'ai été patient. Et je voulais me le tenter quand même, le jeu, parce que voilà, j'aime bien l'univers Star Wars. Donc voilà, les streams sont sur ma chaîne Twitch. Donc si vous, il est dans la description de ma page YouTube, si vous voulez aller sur ma chaîne Twitch. Et s'il y a beaucoup de bugs, bah, comme vous avez vu là sur le gameplay, il y a déjà un bug, hein, pour ceux qui ont remarqué. S'il y en a d'autres, je vous en ferai une compilation, parce que j'ai prévu une fois de faire des petites compilations de jeux buggés, hein. Donc voilà, hein, c'était vidéo spéciale Black Friday 2024. Donc, je vous laisse quand même, voilà, continuer à profiter du gameplay. Donc voilà, il n'y aura pas. Il n'y aura pas d'autre gameplay du jeu. Voilà, le prochain, peut-être, ça sera. Je ferai une critique du jeu quand j'aurai fini le jeu et testé
les DLC, parce que je sais que là, il y a le premier DLC avec Lando Gradition qui est disponible. Dites-moi en commentaire tout ce que vous en pensez. Dites-moi aussi ce que vous avez acheté au Black Friday. C'était trop gay, je vous dis. Ouvre cette grille. Ok. Parfait. Ouvre cette porte. Ouvre cette porte pour moi, Nyx. Ok, ça a dû couper la barrière. La chambre forte nous attend. Denyon, je suis dans le turbo-ascenseur. Faut être plus rapide que ça, Kay. Combien de temps avant que la police de Kanto arrive? C'est chez Sliro, ici. Ils viendront pas. Je vois. Encore plus de Zerik Pêche. Voilà, la chambre forte. Est-ce que quelqu'un me reçoit? On a des tirs de blaster dans le manoir. Y a quelqu'un? Ok. Denyon, c'est bon. J'ai désactivé la sécurité. La voie est libre. Va à la chambre forte. On fait le ménage dehors et on te rejoint. Ouais, je dois entrer. On en a pas ça.
Denyon. Je suis devant la chambre forte et il y a ce droïde qui... Tu as vu le TT-8L? Bien. Le mot de passe est Grandiocha. Ah bah d'accord. Hé hey, reviens. Je sais que t'es là. Mama Guido. Grandiocha. C'est tout? La chambre forte. Alors ça ressemble à ça quand on est riche. Si on l'ouvrait. Hein? T'es pas direct bêche, toi. C'est quoi, ça? Où est mon argent? J'ai besoin d'aide, en fait. J'ai tout fait comme il fallait, le code était bon. Ah, Sarah, tu l'as trouvé? Non. Mais ce qu'on dit sur Sliro et Zerek Besh, c'est vrai. On doit filer. Toi, tu seras payé quand on sera en sécurité. Hola, personne ne bouge. Vous allez me payer maintenant ou... Je veux qu'on me paye. On est de l'Alliance Rebelle. Et alors? Il faut décoller, là. Rejoins-nous, combat l'Empire avec nous pour l'avenir de la galaxie. Pour combien? Non, mais on n'a pas le temps pour ça. Denyon, attends.